Bonjour, donc aujourd'hui une petite vidéo sur un déballage de produits de chez Vevor. Donc là, ça sera donc une table rotative, en fait, hein, rotary table, 25 kg. Donc ça sera une table de 200 mm, hein, pour travailler sur la fraiseuse. Donc on va regarder comment que c'est. Donc j'ouvre toujours les colis en vidéo, comme ça on peut voir comment ça se présente. Le colis, c'est bien emballé, c'est du carton qui est très solide. 25 kilos quand même, hein. Ça n'a rien à voir avec le petit qui est là, qui fait environ dans les 10 kilos. Là, 25 kilos. Donc là, une belle bête, hein. Donc on va le déballer ensemble, puis regarder comment que ça se présente à l'intérieur. Donc on va desserrer celui-ci. Voilà. Et on va regarder à l'intérieur de celui-là. C'est la limite, hein, pour ma fraiseuse. Hein. Vous savez que j'ai une fraiseuse de 200 kg environ. La table fait à peu près 19 cm de large. Là, normalement, ça devrait être juste impeccable. Hein. En utilisation, bien entendu, à plat. On ne va pas l'utiliser en position debout, puisque ça fait assez haut. On pourrait, bien sûr, mais bon, ça peut faire assez haut, puis ça peut être gênant, hein, pour ceux qui ont des tout petites fraiseuses. Donc, c'est bien d'avoir plusieurs modèles, hein, comme celui-ci, là, que j'ai montré. Hein. Qui vient aussi de chez Vevor, hein, j'ai déjà montré, hein, que j'ai tout démonté, nettoyé et remis en ordre pour qu'on ait une précision de 3 centièmes. Hein. Celui-là, c'est le 100 mm, il existe 125 aussi. Donc ici, c'est pareil, c'est le 200 mm, mais il en existe des modèles plus petits. Hein. Alors, on va regarder dedans. On va ouvrir. Oh, ça arrivait très rapidement quand même, hein. Je suis assez surpris quand même de la rapidité. Voilà, donc bien emballé dans du polystyrène. Il y a la notice bien sûr. Alors la notice en général, bon, vous voyez, il y a plusieurs types, hein, HV4, HV6, HV8. Voilà, donc plus ou moins gros, hein, voilà, vous avez toutes les sortes. Hein. Toujours intéressant d'avoir un bouquin. Bon, moi, il n'y a pas de français dessus, je pense pas, comme tous. Hein. Mais bon. On voit comment ça fonctionne, il n'y a pas à trop se poser de questions. Alors, on va ouvrir ça gentiment. Ah, c'est bien du polystyrène, c'est pas mal quand même, c'est bien emballé. Ah, vaut mieux, hein, parce que vu le poids. Là, on est dans du très très gros matériel. Hein. Ah, c'est plus de la rigolade. Hein. Donc là, il est bien sûr, il est dégueulasse, hein, bien sûr. Il va falloir le nettoyer. Il y a les vis de fixation. Il y a les manettes. Voilà. On va essayer de sortir ça. Alors, je vais mettre les gants quand même. Il peut y avoir des petites bavures à droite à gauche. J'ai pas trop envie de me couper. C'est The Monster, hein. Oh, c'est vrai que hein, fait son petit poids le gaillard. Hein. Bon, on va déballer ça. Si on voit ce que je fais, mais bon, voilà, on va essayer de mettre. Voilà, qu'on voit bien. Alors, il a l'air petit comme ça sur la vidéo, mais croyez-moi que c'est quelque chose de balèze. Hein. Ah, il fait pas avant, c'est pas encore du matos. Il y a du matos plus lourd, hein, c'est voilà. Hein. Voilà. Donc les blocages, hein, d'accord. La table. Pas trop mal. Hein? Donc derrière là. Alors on peut le mettre comme ça dans cette position-là ou dans l'autre position. Hein? Mais il faut savoir que bon moi ouais, il va travailler comme ça. Il va travailler à plat comme ça sera très bien. Donc ici, le vernier. On va essuyer un petit peu avec un chiffon là, parce que là, je vais chercher un chiffon.
Voilà. Pour enlever l'excès de gras, parce qu'il y a beaucoup de gras. C'est une belle bête, hein. Ah ouais, bon, là, je suis content. Hein. C'est ce que je voulais, moi, avec 4 rainures. Hein, 4 rainures, comme ça, on peut mettre un étau dessus, on peut... Voilà, c'est plus facile à caler des fois qu'un 3. Bon, mais il y a le même en 3, hein. Donc là, c'est du... C'est un 200 mm, donc le diamètre, c'est 200. D'accord, hein, 200 mm de diamètre. Si on prend toute la longueur du bas, il fait 26, environ. Hein. 26 entre là et le bout. Hein, 26, et puis celui-là, largeur... C'est balèze, hein, puisque l'effet, sans la manivelle, hein, on est à 32. Hein. 32 de là à là. Hein. Voilà. 32, 33, sans la manivelle. Donc, alors, ce qui est appréciable, donc, c'est d'avoir un modèle quand même assez gros. Hein, parce que, bon, quand on veut faire caler des pièces dessus, ben, c'est intéressant d'avoir un gros plateau. On peut même augmenter légèrement le plateau en mettant une plaque dessus, fixée dessus, pour faire une fausse table. Ce qui permettrait donc d'avoir une grande surface de travail. Le poids aussi qui est intéressant, parce que si vous avez plus, vous êtes plus, c'est lourd. Moins ça va vibrer, on est d'accord. Hein. Ça risque moins de vibrer. Donc ça, c'est intéressant. Parce que quand c'est petit, bah, avec les vibrations, hein, quand on fraise, surtout quand on va tourner le pour fraiser en rotation, bah, il faut surtout que ça puisse... que ça puisse tourner sans trop de vibrations. Voilà. Donc ici, c'est les blocages. Voilà. Donc là, je mettrai sûrement une petite rondelle là pour que ça aille un peu moins loin. Voilà. Bon, il y a des petites retouches, hein, comme tout. Hein. C'est du matériel quand même. Vu le prix, on est quand même à 222 euros. Hein, sans le code promo, hein, parce que vous savez que j'ai un code promo, VV promo, que je mets dans la vidéo, qui est quand même, qui vous réduit le prix à... 10 ou 12 euros de moins. Hein. Donc déjà, si vous avez en plus des points fidélité, vous pouvez encore les déduire. Hein. Si vous avez acheté déjà sur ce site-là, sur Vevor, vous pouvez déduire encore les points fidélité, ce qui vous fait encore moins cher. Donc c'est vraiment, ça coûte vraiment pas cher en comparaison à un matériel quand même qu'on peut trouver dans d'autres sur d'autres sites, hein, où on est plutôt dans les 600-700 euros. Hein. Donc voilà, hein, dans ces dimensions-là. Hein. Donc on va regarder un petit peu derrière comment ça se présente, et au niveau du vernier, comment ça se présente aussi. Donc le vernier. Alors, 0, 10, 20, 30, 40. Alors là, il y a un truc qui est bien, que je trouve bien moi personnellement. Hein. Alors là, attendez, on va dévisser ça. Bon, je découvre en même temps que vous, hein, bien sûr. Là, on libère le plateau. Et là, alors, voilà, et là, on le bloque. Voilà, puis là, on a un blocage qui permet de faire tourner. Alors, on a 0 ici. Le 0 se fait aussi là. Vous avez donc un 0 qui est les graduations qui sont tout autour. Hein. On va le montrer tout à l'heure. Et vous avez, ce qui est bien sur ce vernier-là, c'est que vous avez 0, 10, 20, 30, 40, ainsi de suite. Alors c'est pas mal quand même. Alors ça permet un bon nettoyage quand même, hein, parce que bon, il y a un petit peu, on sent qu'il y a des petits points de... Voilà, il faut, faut que je le nettoie un bon coup à l'intérieur. Hein. Donc on a dit donc qu'il va jusqu'à donc de 0 jusqu'à 230. Voilà, 220, 230, 240, bien sûr. Hein, voilà, au niveau du vernier. Hein. Donc c'est bien. Donc on débraye le plateau. Donc il y a des huileurs, il n'y a pas de problème. On va regarder derrière comment que ça se présente. Alors, on va lever. Voilà. Alors, je vais essayer de me mettre sur quelque chose. Là, parce que... Voilà, derrière, comment ça se présente. C'est propre hein, quand même. Hein. C'est propre, hein. C'est pas là, il n'y a pas de. Voilà. Donc l'écrou ici, qu'il faut desserrer pour pouvoir retirer le plateau, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà, il est bien fini quand même. Hein. Donc je suis content, hein. C'est quand même du matériel.
Donc vous avez vu ici les graduations, ici. Voilà. Alors j'essaie de montrer au mieux, hein, mais c'est quand même assez balèze à bouger. Hein. Vous avez donc les graduations ici. Hein. Donc là, l'avantage avec un gros plateau comme ça, c'est que les graduations sont assez espacées. Donc c'est plus facile à voir hein, que quelque chose qui est petit, par exemple. Donc voilà. Donc, quand vous recevez, bon, bien entendu, il y aura un bon nettoyage à faire, ça c'est sûr. Hein, nettoyage, graissage et tout, ça c'est obligatoire. Hein. Toujours vérifier avant. Sinon, le reste, bon, ça reste un diviseur. Hein. Donc, il peut être utilisé dans ce sens-là, bien sûr. Hein. On peut l'utiliser comme ça sur la fraiseuse. Hein. Voilà. On peut le mettre comme ça sur la fraiseuse avec un mandrin ici, et puis pouvoir... tourner, hein, ça revient au même, hein, on peut le tourner comme ça. Hein. Voilà, puis quand vous fraisez, vous bloquez tout. Puis comme ça, ça ne tourne plus, c'est bloqué. Puis vous pouvez fraiser à l'endroit où vous voulez. Donc, voilà. Ou vous pouvez fraiser, bien entendu, en tournant en même temps. Donc voilà, bon, pour la présentation du départ. Hein, donc alors, il y a un truc que je regarderai aussi, c'est si les plateaux de celui-là là-bas. Celui-là aussi vient de chez Vevor, hein, vous pouvez l'obtenir chez Vevor aussi. Il est beaucoup moins lourd, hein, c'est plus petit, on est bien. Je vais le laisser dans cette, moi je le laisse dans cette position-là, ou si j'ai besoin d'un angle un peu particulier, mais jamais je vais l'utiliser en l'air. Ça veut dire en position vraiment verticale, puisque ça fait beaucoup trop haut, hein, ça fait beaucoup trop haut, et puis quand on fraise, on a beaucoup plus de porte-à-faux, donc c'est pas l'idéal, sauf si vraiment c'est des bricoles. Donc il va rester plutôt dans cette position-là, hein, et utiliser plutôt le gros là, pour l'utiliser dans la position à plat. Voilà, donc c'est ce qu'il y a le mieux, je pense. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, il y aura donc les plateaux qui sont vendus avec le diviseur, là, le petit diviseur. Est-ce qu'ils vont s'adapter sur celui-ci? Hein, à savoir si ça s'adapte ou pas. Donc, on verra ça aussi dans une prochaine vidéo, voir si on peut l'adapter dessus. Hein, ça serait bien de savoir si c'est bien. Parce que bon, ceux qui l'ont, ils pourront dire, tiens, ça va bien me servir pour pouvoir faire des choses plus précises, par exemple. Ça peut être bien. Donc c'est tout ce que je voulais dire là-dessus de spécial. Hein, donc non mais moi je trouve que c'est bien, hein, c'est bien, c'est du pour 200 balles, je vais dire que bon là on va pas trouver, on trouvera pas moins cher ailleurs, c'est pas possible. Hein. 200 € là, à vous de voir, vous d'en juger. Hein, mais là bon, hein, moi je pense que là il n'y a pas photo, hein, y a pas photo, surtout le poids. Alors bien entendu quand vous mettez ça sur la fraiseuse, ben, voilà. Hein, on va quand même prendre des précautions, hein, pas tomber avec, pas qu'il vous tombe sur les pieds non plus, hein, parce que c'est une belle bête. Hein, je vous dis, entre 10 kg le petit et puis celui-là 25 kg, il y a quand même une grosse différence. Moi, je ne pensais pas que ça faisait aussi lourd. Hein, je pensais que dans les 15 kg, je ne pensais pas ces poids-là quand même. Hein. Alors, j'ai le même en 150. Hein, j'ai le même en 150 en 3 rainures. Et moi, ce que je voulais surtout, c'est un 4 rainures. Voilà, 4 rainures, pourquoi? Pour mettre un étau, pour mettre des trucs où on met un lardon de chaque côté et puis on serre. Ce qui va être travaillé plus comme ça qu'avec un mandrin, par exemple, ou avec un support avec 3 trous. Hein. Après, on peut faire son propre plateau, et puis on perce là où il y a les trous, hein, et puis on met un centreur ici, c'est quand même du cône CM3 ici. Hein. Ça, c'est du cône CM3, donc on peut mettre des trucs qui vont sur la fraiseuse, en fait, des porte-outils sur la fraiseuse en cône CM3 dedans, hein, contrairement à celui de 150 qui est en CM2. Cône CM2. Donc, sinon, il y a bien entendu les fixations, il y a un peu tout là-dedans, hein, ça c'est prévu avec, hein, il y a même les points indexés sur la table, hein, d'accord, et les manivelles, bien entendu, à mettre dessus, hein, pour l'instant je ne vais pas les mettre, donc voilà, hein, bon, manivelles, hein, les deux petites manivelles, bon, voilà, c'est pas fignolé, ça mérite un petit coup de tour et puis un petit coup de chanfrein, hein. Enfin ça, c'est que des manivelles, hein. Faut pas non plus en demander trop pour le prix, hein, ça c'est pareil. Hein. Donc un bon nettoyage, alors il n'y a pas grand chose à faire quand même, hein, c'est quand même pas dégueulasse. Hein. Moi je voyais ça plus dégueulasse que ça, en fait non. Hein. Au niveau extérieur, on ne peut pas dire que c'est vraiment sale. Il y aurait toujours des petites retouches, je vous dis que c'est comme c'est normal. Hein. Vous ne pouvez pas avoir un truc sans retoucher un peu, ça c'est sûr. Hein. Il n'y aura pas grand chose, je pense pas. Hein. Donc voilà. Il y a un truc qu'on pourrait vérifier, c'est au comparateur pour voir vite fait
la précision quand même. On va regarder vite fait, hein. On peut le faire. Alors, je vais prendre mon comparateur, je vais mettre sur pause, et puis on va passer un petit coup de comparateur autour pour voir combien on a. Hein. Ça permettra de voir si ce genre de table rotative vous intéresse, si au niveau de la précision, ça vous correspond, ça correspond à ce que vous voulez. Hein. Souvent, on peut faire des arrondis, des machins, donc on n'a pas besoin d'être au centième. Mais on va quand même voir si le plateau est bien plat, hein. Sans le nettoyage, sans rien faire, comme ça, d'origine, pour voir. Donc on va le basculer, voilà, et on va mettre le comparateur dessus. Ah, je vous mets en pause et je vous reprends. Je mets le comparateur. Voilà, donc sans nettoyage, rien du tout, je viens de mettre le comparateur dessus qui est fixé sur le côté plat. Et on va regarder la planéité, voir si on a beaucoup d'écart ou pas. Donc là, tout ça s'est débloqué. Et on va tourner à la manivelle. Donc là, je suis à zéro. Allez, on tourne, on tourne, on tourne. Alors sans manivelle, c'est pas facile, il faudrait peut-être que je mette un manivelle. Pour l'instant, ça va, ça bouge pas spécialement. En haut, demi centième. Passer de l'autre côté. Un centième. Un centième. Zéro. Deux centièmes. Deux centièmes. Deux centièmes. Deux centièmes. Alors, regardez si ça n'a pas bougé au moment que j'ai élevé la pointe. Je pense pas. Hein. Zéro. Ouais, bon, c'est ça. Donc on a deux centièmes, entre deux et trois centièmes. Bon, c'est à peu près comme le diviseur sur l'autre. Hein, j'ai trois centièmes. Zéro, 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 zéro. Un centième. En tout, moins, il y a moins 1 et plus 2. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la. Donc bien entendu, il va être démonté, nettoyé, bien entendu. Et après, j'en vérifierai pour voir s'il y a une petite différence. Hein. Sinon, bon, 3 centièmes, moi, ça correspond bien à ce que je pensais. Hein. Comparé à celui-là qu'à côté, là, c'est ça. J'ai 3 centièmes sur celui-ci. Hein. Donc là, ça fait 3 centièmes aussi. Hein. Donc de planéité. Donc forcément, hein, on ne peut pas s'attendre à un centième. Hein. Je pourrais faire le test sur celui que j'ai de chez OptiMachine pour voir la différence. Comme ça, on pourrait se rendre compte. Hein. D'abord, on va le faire. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte de la même chose sur un autre diviseur d'un prix différent, de 2,5 fois plus cher que celui-ci et moins important, un 150. Je vais aller chercher, je vous mets en pause et on fait exactement pareil. Et on va mesurer la planéité pour voir. Alors vous savez que le 150 que j'ai, c'est un OptiMachine qui coûte plus de 400 euros. Hein. TTC, frais de port compris. Plus de 400 euros, dans les 450 environ. Donc on va enlever ça. Voilà, je vous mets en pause, je vais mettre l'autre. Donc voilà, sur le 150 mm de chez OptiMachine, hein, celui-là, il coûte le 2,5 fois plus peu, 2,5 fois plus cher que le gros. C'est un 150, hein, donc 150 mm, hein, 3 rainures. 150 mm. Hein. Façon, c'est plus petit, hein, c'est disons plus adapté pour une petite fraiseuse, on va dire. Mais bon, on voit que la place ici, il y a très peu de place. Hein. Si on met une pièce dessus puis la brider, ben, c'est pas facile. Donc c'est bien ce genre de diviseur. Ce diviseur-là est bien, ce plateau diviseur, je veux dire, il est bien pour mettre un mandrin par-dessus. C'est pour ça qu'il y a le centreur. Pour mettre un mandrin dessus, comme ça, vous travaillez avec le mandrin. Et vous pouvez travailler en vertical ou en horizontal aussi. Il n'y a pas de problème. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai depuis le départ, on va dire. Hein. Donc après, j'ai acheté celui-là, et puis après, c'est celui-ci.
Donc on va regarder la précision. On a mis le comparateur, on va mettre à 0. Alors, je sais pas si on va bien voir, hein, parce que c'est un peu sombre. Ah, je vais essayer d'enlever un niveau, ah, qu'on soit un peu plus bas, parce que là il est plus bas celui-là. Voilà, on va mettre à 0. On va regarder combien on a. Pour se rendre compte vraiment, hein, si on a vraiment une grosse différence. Voilà, je me suis mis sur le bord. Allons-y. Alors, pour l'instant, ça ne bouge pas. Un demi-centième. Un centième. Alors celui-là, il tourne bien sûr plus facilement, hein, puisqu'il est démonté, huilé. C'est sûr que c'est plus tout à fait la même chose. Hein. On a un centième d'écart pour l'instant. Alors c'est sûr que les plus précis, hein, forcément, hein, c'est pas. Voilà. On n'est pas dans la même catégorie de prix. Un centième. Donc celui-là, il a un centième. Hein. Le gros, 3 centièmes. Bon, c'est normal aussi, vu la grosseur du le diamètre. Hein. Plus on est gros, et puis l'autre n'a pas nettoyé du tout. Hein. Donc une fois que sera nettoyé tout ça, je refais le contrôle. Passer bien la plaque avec une pierre pour bien nettoyer la surface, pour qu'il coulisse aussi bien que celui-ci. Hein. Donc celui-là, il tourne tout seul. Hein. Il a été démonté complètement. Hein. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ces diviseurs, hein, plateau diviseur, que je possède. Hein. Donc voilà, hein, pour ceux qui préfèrent peut-être un petit modèle, le 150. Hein. Alors bien sûr, il y avait des petits soucis aussi hein, sur celui-ci. Hein. Les rainures ne sont pas tous pareilles. Ça veut dire qu'ici, au niveau du dégagement, ici, il y avait des différences. Ça veut dire que le lardon, ben, il a fallu que je modifie les lardons. Certains rentraient, d'autres ne rentraient pas. Le gicleur ici, le petit graisseur, là, il est trop au-dessus. Donc il faut le repousser un peu. Il faut le repousser un peu parce que si vous mettez une pièce, il peut très bien être posé dessus, puis il peut gêner. Faut aussi démonter tout nettoyer, hein, ça c'est obligatoire. Régler aussi l'écrou derrière hein, pour qu'il n'y ait pas trop de jeu, parce que quand on fait comme ça, alors, je vais vous montrer aussi ça par exemple. Voilà, quand on serre un côté, voilà, il ne bouge pas trop. Il bouge un peu plus quand on est en position posée sur ce côté-là, hein, mais il y a un petit poil de jeu. Mais bon, j'ai réglé le jeu, là ça va. Donc en réglant en dessous, on a moins de jeu au niveau entre la partie tournante là et la partie plate. Hein. Donc voilà pour la première vidéo, hein, ce qu'on peut en penser. Donc pour ceux qui sont intéressés par des plateaux comme ça, donc le 150, 3 hein, ou 4, ou le gros en 200 mm. Hein, donc on le posera sur la fraiseuse et puis on verra ce que ça donne. Donc il va être seulement être on a posé comme ça. Hein. Donc là, je vais le démonter et puis on verra, je vais faire une vidéo sur le démontage parce que ça va rallonger un peu. Donc là, on a 23 minutes. Hein. Donc on a déjà fait une présentation du produit, c'est déjà pas mal. Ce qui permet de se rendre compte comment il arrive et comment il est. Donc c'est quand même un beau jouet. Hein. Donc on est déjà dans du matériel déjà assez balèze. Hein. Pour le prix, on ne peut pas en demander de trop. Hein. C'est quand même du lourd. Donc comme je dis, celui-là... Peut-être que quand on fraise, ben, il y a moins de poids, forcément. Hein, on est dans le moins de poids. Donc quand on fraise en tournant, on a un risque d'avoir plus de vibrations qu'un plus gros. Hein, ça peut jouer, ça joue aussi. Voilà. Et au niveau du vernier, on avait aussi des différences. C'est que celui-ci, par exemple, le vernier, quand on met à 0 ici, par exemple, ça va à 30. Après, ça passe à 1. Après, ça passe à 30. Après, ça repasse à 1, à 2. Après, ça passe à 30. Après, ça passe à 3. Voilà, c'est pas gradué comme l'autre, hein, qui est gradué plus d'une façon plus logique que là. Hein. Donc des fois, on ne sait pas trop où on en est. Alors, en fonction de la manivelle, on sait qu'on est là ou on est là. Hein, voilà, sinon, j'ai pas grand-chose à reprocher à celui-ci. Hein. Celui-là, une fois qu'il a été refait, il est nickel. Il m'a une vraie merveille, hein, il tourne tout seul. Alors là, il n'est pas en position bloquée. Hein, donc là, voilà. Et puis, bah, je vais faire pareil pour l'autre. Hein. Comme ça, on verra bien ce que ça dit. Donc je vous laisse sur cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, et puis bah, je vais m'attaquer au démontage, je refais une vidéo sur le démontage pour voir ce que ça donne, hein. Un graissage démontage, et voir si bah, tout tourne bien, tout coulisse bien,
Et puis on fera peut-être encore un petit contrôle vite fait, voir la précision, si on arrive à diminuer un peu en débavurant quelques petits trucs. Hein. Mais 3 centièmes, moi ça me correspond bien. Hein. 3 centièmes, je suis content, 3 centièmes c'est bon. Hein. Là on est mieux, c'est sûr. Hein, ouais, le diamètre, hein, il y a quand même un diamètre différent forcément. Là on a quand même un centième. Bon, on a un centième, hein, bon, on n'est pas à zéro. Hein. Donc, ben voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, il n'y a pas de problème. On essaiera pour les disques aussi ici, pour voir si on peut les adapter sur le gros. Ça peut être intéressant aussi, hein, si on veut faire les choses précisément. Hein, parce qu'on est livré avec celui-là. Celui-là est livré avec des plateaux comme ça à trous. Donc, on peut peut-être les adapter sur celui-là. Donc, à voir. Donc, je vous laisse. Et puis, ma foi, ben, sur ce. Et puis, ma foi, ben, bonne fin de journée. Je ne sais pas si je fais la prochaine vidéo, quand c'est, si je la fais cet après-midi ou je la fais demain. Je vais essayer d'en faire assez rapidement, hein, qu'on voit un petit peu tout ça. Pour ceux qui voudraient acheter, par exemple. Bon, attention, c'est du matériel qui part très, très vite. Hein. C'est, voilà. Je l'avais reluqué à un moment donné sur Vevor. Ça part comme du petit pain. Hein. Très, très vite, il est en rupture de stock. Hein. Donc, alors attention, si vous en voulez, il faut vite vous dépêcher parce que ça part très vite. Hein. Ils n'en mettent pas beaucoup en stock. Hein. Donc là, à voir. Hein. Donc, eh ben, je vous laisse ce coup-là. Et puis, ma foi, ben, bon après-midi. Et puis, ma foi, à la prochaine. À plus.